Le Forum Africa 2013 a réuni jusqu'à vendredi plus de 400 participants, parmi eux des représentants de 20 pays africains. Le forum organisé par le magazine Africa Expansion met l'accent sur les occasions d'affaires à saisir en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment, le pays vedette cette année. L'Afrique émergente, investissement et opportunités d'affaires, qui est le thème de cette année, s'est également imposé de lui-même comme les précédents thèmes. L'Afrique bénéficie aujourd'hui d'une conjoncture plus que jamais favorable. La communauté des affaires en Amérique du Nord doit bénéficier de la meilleure information possible pour s'aligner sur la concurrence qui vient désormais de tous côtés du globe. La délégation ivoirienne au Canada comprend des décideurs, des investisseurs et autres hommes d'affaires. La rencontre leur offre l'occasion d'établir un contact étroit avec les investisseurs internationaux, canadiens notamment, pour des investissements dans un pays à fort taux de croissance. La Côte d'Ivoire dispose de plusieurs atouts pour le développement des activités économiques. Fort de tous ces atouts, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer le partenariat avec le Canada. C'est pourquoi les réflexions des participants au présent forum permettront, et c'est notre souhait, de définir les axes de la coopération entre le Canada et les pays africains pour les années à venir. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous suivrons les discussions de ce forum Africa. Le Canada, un partenaire de choix pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est le message essentiel ivoirien à cette rencontre de Montréal. La Côte d'Ivoire est à l'honneur de ce forum Africa à sa 6e édition. Nous avons effectivement un stand qui est ouvert tous les 3 jours que durera ce forum. C'est un stand qui va être l'image de la Côte d'Ivoire gagnante et cette Côte d'Ivoire qui a le cap sur l'émergence. Le Premier ministre Daniel Cameron-Duncan portera la voix officielle de la Côte d'Ivoire au 6e forum Africa. Le chef du gouvernement animera une conférence sur les occasions d'affaires à saisir dans son pays.